Sometimes I'm thinking that I love you, but I know it's only lust. Your kiss so sweet, your sweat so sour. Your kiss so sweet, your sweat so sour. Sometimes I'm thinking that I love you, but I know it's only love. The sins of the flesh, I said the sins of lust. The sweat's running down your neck, sweat's running down your back. I hear the couplings in the sun. Non, j'avais une légère appréhension parce que je me suis dit il est quand même légèrement barré. Ou pas. Quand si je dis qu'il est légèrement barré, Sidney, ça va ou pas? Légèrement barré, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, si on pouvait résumer en deux mots, ce serait ça. Un mais... peu perché. Non? C'est... Oui, ben... C'est... Ça cultive... Je cultive un peu les paradoxes avec la musique électronique, mais... Ouais. Voilà, j'aime bien introduire de la littérature dans ce que je fais. Ouais. Dans les textes et tout ça. Et, Alors justement, c'est très écrit. C'est ce qui est en général pas le cas avec la musique électro. D'ailleurs, souvent, il n'y a même pas de lyrics. Ah, ouais. Mademoiselle a fini, visiblement. Voilà. On est content. C'est fait, ça y est. Au moins, ça sera plus à faire. C'est fait. Très bien. Donc oui, donc d'habitude, il n'y a pas forcément de lyrics dans la musique électronique. Toi, chez toi, il y en a. Et en plus, c'est assez travaillé l'écriture. Et puis, dans la façon de faire, c'est à la fois parler, chanter, déclamer, pleurer. Ouais, bah ça explore pas mal de registres. Ça explore la récitation. Ça se base sur des... la poésie sonore d'Artaud, choses dans le genre. Parce qu'à la base, quand j'ai commencé, j'étais encore en école d'art et... j'écoutais beaucoup de musique, j'avais une double influence, j'avais l'influence la musique électronique de la nuit et école d'art et poésie sonore et tout ça quoi. Pourquoi cette musique là plutôt qu'une autre, tu sais? Pourquoi? Parce que je viens du piano, alors bon, ouais. Forcément, le piano ça dirige pas mal vers la musique électronique étant donné qu'il y a des synthétiseurs et tout ça. Et sinon... pourquoi la musique électronique? Ça fait danser, j'aime danser. Ah oui, c'est ça. Voilà. Mais donc on est d'accord que tu la tords un peu cette musique, puisqu'encore une fois, tu mets des textes, ce qui n'est pas, la règle dans le domaine. Je fais un peu des deux. Je fais aussi des trucs plus pop, ouais. Et des choses plus écrites. Je brise pas vraiment la règle, je m'inscris aussi dans une continuité de la minimal wave des années 80 qui est un peu écrite comme ça aussi, qui a des très beaux textes de groupes comme Modern ou Taxi Girl ou d'autres qui ont des textes très écrits eux-mêmes. Et après c'est vrai que ce que j'aime bien c'est de la même manière que que John Mouse ou des trucs, c'est utiliser le format pop pour diffuser des choses assez profondes, jouer un peu les paradoxes entre de la musique très intuitive et très premier degré avec des textes qui justement sont cachés et où il y a des doubles sens ou des choses. On vient d'un support fixé, on vient du son enregistré ou des claviers enregistrés, montés, mixés, etc. Et après, il faut isoler toutes ces petites choses pour pouvoir les jouer et leur donner un maximum de flexibilité pour pouvoir créer une interaction sur scène, etc., etc. Donc voilà, moi j'interviens pour ça depuis le mois de juin. Ouais, ça a été un vrai... c'est pas fini, mais créer un live, c'est quelque chose... c'était énorme quoi. Ouais. Un gros boulot, ouais. C'était bosser, on a bossé presque tous les jours pendant 4-5 mois. Enfin, moi j'étais vraiment. Parce que c'était le. Adapter tout et. Bon, après moi c'était une nouvelle expérience parce que je pars vraiment d'un truc très personnel, vraiment très dans mon coin quoi. Et du coup j'ai. C'est avec Mathieu, avec Maxime en production, et du coup c'était un peu... Oui, en plus c'est pas évident de rentrer dans un univers comme ça. Oui, j'allais te dire, c'est un univers qui existait déjà, toi t'étais pas... Ouais, c'est ça. Tout à fait, ouais, c'est ça.
Bon, il s'est bien fondu dans le truc, le petit, ça va, il a ça été... Tu sais, moi, il m'inquiète toujours un peu, le petit Mathieu. Je l'ai connu, il avait 5 ans et demi. C'est ça. Je connais Mathieu depuis l'éternité, oui. Je peux pas te dire ce qui... dans quelles circonstances je l'ai connu, mais c'est trop grave. C'est trop grave. Mathieu, je peux pas te dénoncer, mais non, néanmoins... Non, merci, je... Philippe. Si je suis... Néanmoins, si on me demande, je répondrai. Je suis prêt à dire des erreurs, je suis bien. Bon, ça va, Mathieu, quand même, ta vie va bien. Ma vie va très bien, ouais. Bon, tout va très bien. Je suis un homme comblé. Bien sûr. J'ai croisé des êtres qui t'étaient chers en arrivant, donc tout va bien. Oui, voilà. D'accord, très bien. Bon, alors, vous me faites un petit quelque chose, les garçons, ou pas? Oui, volontiers. Tu mets le son, hein. Ouais. Tu mets... T'en vas la purée. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je me réveille et regarde par la fenêtre. Ciel blanc avec quelques étoiles. La tête encore dans le brouillard de la veille. On essaye de réfléchir, mais on n'y arrive pas. On se laisse absorber par tout ce qui nous entoure. On vient rêve, le rêve du dimanche. Je me demande ce que je vais faire. Peut-être aller au cinéma. Me recueillir devant des images grandioses. Une journée faite pour ouvrir dans les parcs. Regardez droit devant soi. L'arbre, le ciel, se concentrer, humer l'air de l'automne. Ouvrir une expérience transcendantale, de faire qu'un avec la nature. Oublier ses rêves, oublier ses soucis. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est merveilleux. On se balade dans les parcs, on est amoureux. Aimer de cette expérience, avoir les larmes aux yeux, se sentir bête, un peu naïf, et garder ça comme un trésor que le lundi viendra te rompre. 5 heures du mat, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur mon lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides. Je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi remplir un dernier verre.